statistiques de la probabilité. L'ambition, c'est de se battre pour essayer de gagner l'étape. Et c'est en faisant comme ça, en faisant comme l'a fait Belkadri, qu'on arrivera à gagner une étape. C'était juste pour faire un petit clin d'œil à toute l'équipe. On marche fort, on l'a encore prouvé aujourd'hui. Kilomètres, eux, ils sont 3 km bien sur le groupe des champs. Ils bossent comme ça 3 km 2 avec les gars qu'on a ici. On a vu du grand Romain Bardet tout au long de la journée qui vraiment est exceptionnel pour sa première participation au tour. Vraiment une sale journée. Il y en a comme ça quelquefois. Il y a des journées de bonheur où on pleure de joie. Là, c'est pleurer de tristesse. Il est en train de nous réaliser un exploit pour moi exceptionnel. Un garçon qui arrive avec une clavicule cassée à faire jeu égal avec ses principaux adversaires. Je pense qu'il aurait pu terminer dans les 10 premiers de l'étape, donc ne pas perdre grand-chose sur ses principaux adversaires. Ouais, c'est très dur pour lui, je pense que ces athlètes méritent vraiment admiration. Souvent ils sont dénigrés, je pense qu'il faudrait reconnaître leur courage parce qu'ils le méritent. Je me bats depuis le début hein, pour ça, je fais du vélo pour ça. C'est la plus belle, hein, l'Alpe d'Huez, c'est l'étape reine. Sur le bord de la route, on n'arrêtait pas de me donner le temps, enfin l'écart. On me disait hey, tu vas plus vite que lui, tu vas plus vite que lui. Après, dans ces moments-là, bah, vous êtes sur un nuage, vous sentez plus la douleur, tout ça, vous êtes un autre homme. Sur le vélo, ça a été tellement incroyable ce qui est en train de se passer, la défaillance devant le garde-rennes. J'écoutais le final à l'oreillette, c'était vraiment, j'avais des frissons pour lui quand il a passé la ligne vainqueur. L'instant, les quelques instants de bonheur, ils sont tellement intenses. C'était un objectif perso dans l'équipe de vraiment faire le maximum par rapport à ce classement par équipe. BD Romain a remonté peut-être 15e. Une fois de plus, ils ont répondu présent tous ensemble. Très grand John Gadret aussi qui a su rester aux côtés de Romain, quand Romain avait des petits coups de moins bien pour l'aider. Voilà, il finit 15e pour 9 secondes. C'est 15e pour 9 secondes. Toutes les secondes qu'on dit. Christophe Riblon en France. Aïe, 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 a